Bonjour maman. Ah oui, toi, je te cherchais. Bonjour. Tu m'as fait appeler. Oui. J'ai eu l'information qu'il y avait du bruit chez toi, toi et ton mari. Le problème, c'est quoi? C'est pas mon mari. Je lui ai dit que de m'emmener en vacances avec les enfants, tout le monde. Il me dit non. Que lui, il n'a pas assez d'argent. Donc, il veut qu'on aille à signer tout près là. Pourquoi? Pour quelle raison? Ah, pour quelle raison? Oui. Ah, d'accord. Et il a bien précisé, j'ai pas assez de moyens. Maman, mais toutes mes camarades sont parties. Même la voisine, cette rien dans la tête, la même est partie aussi. Et puis moi, je vais pas partir. C'est ça. Ça dit la jalousie, la haine, l'envie te tue. Parce que ta voisine est partie. La position du mari de ta voisine et puis toi, est-ce que c'est pareil? Et il a même dit, est-ce que votre chantier actuellement n'est pas en plein chantier? Si. Et il t'a même dit, j'ai pas assez d'argent. Et il n'a même pas dit, vous partez pas en vacances. Il dit, allez-y, assis là à côté. Toi, tu ne veux pas ça. Toi et tous tes vilains enfants, là, ça fait au moins 5 millions. Il n'a qu'à laisser son chantier pour prendre 5 millions pour aller en Bangladesh ou bien en Vietnam. Et toi et tes enfants et leur tête, je ne sais quoi, vous allez vous balader pour rien. Maintenant, toi, mais tu ne travailles pas. Ton argent, là, tu ne peux pas dire à ton mari, comme tu es en chantier, laisse tomber, moi, mais je t'offre les vacances. Si, je peux pas. Tu peux pas, non? Je peux pas. Voilà, parce que toi, ton argent, là, c'est pas possible. On ne peut pas toucher à ça. C'est pour lui là. Ça dit, lui, sa poche là, c'est devenu ton marché. Tu rentres et tu veux sortir dedans quand tu veux. C'est ça? Mais pourquoi vous ne pouvez pas vous mettre à la place de vos époux? Pourquoi vous ne pouvez pas faire attention à vos époux? Pourquoi vous ne pouvez pas les accompagner? Pourquoi vous ne pouvez pas protéger leur fortune? Même une bonne femme dans la maison fait attention, même aux factures dans la maison. Apprendre à éteindre les ampoules là où on ne les utilise pas. Arrêtez le split quand il n'y a personne. Arrêtez le chauffe-eau quand on n'en a pas besoin. Juste pour qu'il puisse payer les moindres factures. Mais quand les dépenses ne sont pas sur votre tête, vous faites ce que vous avez envie de faire. Toi, tout de suite, on va te demander une journée. C'est fini, tu vas commencer à bavarder dans la maison. Tu sais quoi? On ne fait pas la fête dans la poche des autres. Si tu es trop fâché, tu vides ton compte, tu ramasses tes enfants, je ne sais où, vous allez à la fin du monde et puis vous revenez. Et puis, je crois que si tu es intelligente, 5 millions, tu aurais pu dire à ton mari, cette année, on n'ira pas en vacances, on va finir les chantiers rapidement. C'est ça, une femme, savoir accompagner son homme. Si tu ne peux pas faire cela, ce n'est pas la peine. Tu n'as aucun rôle auprès de cet homme. Si tu ne peux pas l'accompagner, si tu ne peux pas le soutenir, si tu ne peux pas le comprendre, ce n'est pas la peine, tu n'es pas une femme auprès de cet homme. Mais je te préviens, si cet homme-là te laisse tomber, tu n'as pas de place chez moi à la maison ici. Tu vas aller te faire voir ailleurs. Tu as compris? Ok.